need anything right about now. Bonjour et bienvenue. On est reparti. Faut que je m'habitue à... Dès que j'appuie sur charger la partie, ça lance. Car les chargements sont extrêmement courts. Extrêmement courts. Donc on a les pieds sûrs. Les pieds sûrs, c'est trop bien. On a ça. Faut qu'on boive avant de tomber dans les pommes. Aussi, pourquoi je me... Alors bon, ça fait déjà quelques épisodes. Je le répète, beaucoup de gens déjà le savent. Genre, affamé, ça vous enlève, genre, je crois, c'est 1 HP par seconde, un truc comme ça. Par contre, l'eau, c'est 2. Donc, du coup, il faut toujours boire. De toute façon, faire de l'eau, c'est pas très compliqué. Une fois que vous avez du feu et tout ça, et que vous faites un peu attention. Mais par contre, manger, vous pouvez vous en passer. Vous pouvez vous affamer, en fait. Et après, il est... Ah, c'est le matin, ça va. On avait laissé des choses par terre, je crois pas. Et après, ce que vous pouvez faire, c'est de manger avant de dormir pour récupérer la vie que vous avez perdue. Donc, c'est ce qu'on fait. Alors, du coup, on est où, nous ? Ah oui, on est à l'établi. Oui, j'avais oublié. On est là. Ok, ça marche. Est-ce qu'on va... Bah, s'il fait pas trop froid, on peut continuer du côté... De ce côté-là. Bravo. On peut peut-être continuer de ce côté-là. Voir si on trouve des choses. Il faut que je regarde pour les touches aussi. Il y a la course automatique qui a été... enlever aussi, il faut que je regarde des choses comme ça. Alors en tout cas sinon, pour ce qui est des informations sur le jeu, toujours pas de nouvelles mises à jour, on a toujours les mêmes choses. Et je regarde pas mal les forums de Steam en fait avant de lancer une survie, pour regarder ce que les gens rapportent. Et il y a des choses très bizarres encore. Apparemment, je suis pas le seul à ne pas avoir trouvé de comment on appelle ça, les choses pour ouvrir les canettes là. Il y a des lapins. Pour ouvrir les conserves. Il y a des gens qui ont regardé partout aussi pareil, beaucoup qui ont fait plusieurs salles. Oh là là, je vais arriver à trouver mes mots moi. Plusieurs régions. Et ils ont trouvé strictement rien. Aucune chose pour ouvrir les boîtes de conserve. Un ouvre-boîte. Voilà, un ouvre-boîte. Donc, on n'est pas le seul. On n'est pas le seul dans ce cas-là. Donc, la nouvelle loot table, comme on dit ça en anglais... Genre la table d'objets, d'apparition et tout ça. Elle est vraiment bizarre. Elle est vraiment extrêmement bizarre en un truc. Je sais pas trop ce qu'ils ont fait avec, mais... c'est un peu une galère. Ouais, ben. Allez, tu. Alors, on va rentrer où est-ce qu'on était, parce que je voudrais déjà de me débarrasser de la peau et tout ça. Et surtout, c'est que on va puer la barbaque, donc je vais pas me balader avec ça. Ce sera un peu con. Et un peu dangereux. Donc ouais, il y a beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes par rapport à ça. Après, de toute façon, en un truc, comme je dis toujours, on doit crafter, on doit créer en fait nos propres outils et tout à chaque fois. Ce qui nous manquerait, ça serait des objets
Genre, allez. À la limite, genre le marteau et la scie à métaux, c'est les objets les plus importants pour nous, je crois. Parce que le couteau, la hachette, on peut les faire. Si jamais on n'a même pas de... Vous savez, les pierres pour aiguiser. Même ça, si on n'en a pas, c'est pas très grave. On peut recréer un couteau ou une hachette, en fait. Donc, le plus important, c'est d'avoir des scies. Ok, on est bon. Ouh, il y a un truc à... Il y a un truc qui marchait. C'est marrant, il y a avantage pied sûr à chaque fois qu'il s'affiche maintenant qu'on rentre dans des bâtiments. Enfin bref. Donc oui. Nous, ce serait la scie. Qu'est-ce que j'ai dit? Je sais plus ce que je disais. J'ai été perturbé par le bruit. Alors, je vais voir. La scie. Le marteau pour crafter. Enfin, pour... Pour la forge. C'est des choses comme ça. Ça, c'est très important pour nous. Mais bon, on les a. Donc, ça va. Par contre, on va devoir rentrer pour l'eau, en fait. Ouais, non, en fait, on va pas passer notre temps à se balader. Il faut qu'on rentre à la maison et qu'on récupère de l'eau. Ça, c'est embêtant, ça. C'est très embêtant. Ok, on n'est pas encore complètement chaud. On va faire ça. Okay. Ah, on va pas se priver, hein, le couteau. C'est le couteau, je le vois comme un... Un symbole de notre... comment dire? Genre, on a beaucoup... On a survécu énormément de fois, beaucoup de choses. Genre, on a fait plusieurs saisons et tout ça. Genre, ça serait le... Notre... par contre, j'ai augmenté mon odeur au niveau 3. Bon, super. Ça serait notre récompense. En fait, d'avoir ça. Ou alors, ça montre bien les bugs que Interland aime bien faire. Alors, par contre, j'ai entendu du bruit. C'était quoi, alors? Par contre, il y a des loups un peu partout. Et ils sont quand même vachement dangereux, maintenant. Sont quand même... Merde. Ah, une... Ok, c'est une biche. J'en sais rien. Un truc à manger, quoi. Un hot dog sur pâte. Mais ouais, les loups sont dangereux. Maintenant. Les loups sont très dangereux. Ah, attendez, on a la, les boyaux et la peau là-bas, du cerf. Ouh, on va faire ça, on va en profiter. Et en plus, il fait pas froid. Ouais, on va faire ça. Eh merde! Ah, putain. Mais bon. Oh là là, c'est une catastrophe, ces loups. En plus, ils nous lâchent pas cette fois. C'est vraiment une catastrophe. Il faut qu'on passe la peau. Ok, très bien. On pourrait faire un feu là. Ouais, non, mais il me faut de l'eau et tout ça. On va pas rester là. Il me faut de l'eau et tout. Je voudrais faire un feu pour faire cuire les aliments, mais... Non, en fait, non.
coup, si je fais ça, est-ce que je peux aller récupérer la peau? Pas qu'on se lève. Okay, je pense qu'on est assez loin. Non! Oh non, on a mis trop longtemps à venir, je crois. Oh mince. Ouais, c'est mort. C'est mort. Merde! Ah, ça aurait pu être bien, ça. Par contre, on va en profiter avec les lapins. Oh là là! Ça aussi, c'est une chose. Genre, en fait, il y a des carcasses qui sont dans les régions. Mais... elles vont pas disparaître en fait. C'est une fois qu'on les... Merde. C'est une fois que nous on les a, on est rentré dans la région, c'est là où elle commence à se détériorer en fait. Il est où l'autre? Bouge. Ok, faut rester à une bonne distance, mais pas trop loin, pas trop près, comme ça il bouge pas, comme ça il commence pas à courir. Ok, là on devrait être bon. Devrait être bon. Ok, très bien. Pied sûr. Pied sûr, pied sûr. Fais voir l'eau. L'eau, on en a plus et on est un peu assoiffé. On pourrait faire 30 minutes. Ça fait un peu chaud. Faire ça, juste histoire que l'autre y parte. Ça nous fera des appâts pour les loups à la limite. On les jettera par terre, on fera des appâts. Genre si j'ai les lapins sur moi, si je fais ça, ok, c'est un morceau de viande. Ok, ça va, très bien. On va rentrer. Ok. Sûrement encore derrière nous. Ok. Le bruit ambiant est très fort comparé à avant, je trouve. Là-bas, on a des champignons, je dirais pas non, mais. J'aime pas trop rester à l'extérieur avec autant de viande sur moi. Ah, vous avez vu? Vous voyez derrière le loup? Il nous suit, hein?
Mérite d'être derrière le panneau là. Enfin au loin. Oh, que c'était juste. Oh, que c'était juste. Mais là, on a du bon. Là, on a du très bon. Là, on a du très très bon. Ok, très bien. Boyau. Attendez. Ça. C'est un peu le bordel. Essayez de mettre un peu d'ordre. Très bien. Comme ça. Très bien, boyau. Très bien, dépôt. On a du bois. Trois litres. On va retirer les objets surplus là qu'on a. Alors, tissu. Le tissu, on peut le garder. On peut coudre de temps en temps. Bien. Toujours, on garde toujours que 10 tiges de ma 7, pas plus. C'est un peu mon délire. Ça, on va le virer aussi. 27 têtes de ma 7. Donc on a vraiment pas besoin de petits bois. En fait, on va même arrêter de les prendre, les têtes de ma 7. Alors. Faut que je fasse à manger en fait. Je crois. Je crois qu'on va cuire tout ce qu'on a. Ah, attendez. Ok. On va cuire tout ce qu'on a. Il est à combien de pourcents? 93. Ouais, on va faire de la cuisson. On va faire de la cuisson. Parce que... Comme ça, ça sera fait. Est-ce qu'on en fait maintenant ou pas de la cuisson? Attendez. Que je réfléchisse en fait. Non, peut-être pas. Par contre, vous avez vu qu'il change de couleur en fait avec les pourcentages. Intéressant. On va prendre ça par contre. Juste pour que les pots en fait on les dépose déjà par terre. Honnêtement, on peut faire tout. Non, on fait tout. On a le couteau, on en profite. Très bien. Vous voyez, de le garder sur nous, on a déjà perdu 3% sur la viande. Donc faut absolument mettre tout ça à l'extérieur. Mettez une touche aussi pour ceux qui... Okay, nickel. Pour ceux qui savent pas trop quoi mettre en raccourci, il y a deux raccourcis que je trouve extrêmement utiles. C'est lancer des leurres et équiper l'arme, évidemment, et la ranger. Trois touches à la limite. Lancer des leurres, c'est que c'est bien, c'est que ça va lancer en fait tout type de leurre, donc carcasse de lapin, boyau frais, ou alors morceaux de viande. Ou alors morceaux de viande.
Mais du coup, c'est pratique aussi pour se vider l'inventaire de la viande qu'on a sur nous. Vraiment pratique. Donc, ouais, ça c'est un... Moi, je l'ai mis sur E, genre... Sur le clavier, vraiment... Le truc qui est à côté de mes doigts, pour le pouvoir le balancer vraiment quand je veux. Et après, sur A, j'ai mis équipé des armes. Je sais plus ce que c'est, les touches par défaut, mais... en tout cas, j'ai fait comme ça. Ça m'a vraiment sauvé la vie plein de fois. J'ai l'impression d'entendre des bruits. Hein. Comme quoi, il y a quelque chose qui se déplace. Waouh, t'es sérieux? Exactement rien. On peut se... Ouais, non, on verra ça après. Je voulais dessiner, mais on verra ça après. Quand on se protège du vent, on a moins froid, j'ai remarqué, donc ça c'est bien. Et on a très bien fait de réparer nos vêtements aussi. Honnêtement, le début est vraiment cool en intrus. Le seul problème, c'est qu'on n'a pas de matériel en fait. Mais... Le temps en fait est pas vraiment pourri, donc ça c'est vraiment vraiment cool. On peut vraiment se déplacer tellement facilement, alors que plus tard on aura du moins 40 et tout, ça va être une catastrophe. On peut même rester là et on a chaud dans la grotte. Tiens, même à l'extérieur, ça y est, ça a augmenté le... C'est bien. Ouais, non, il faut se protéger du vent, quand même. Alors... Ok, lapin biche. Pas mal. Évidemment, il fallait que j'ouvre ma gueule pour que le temps se détériore. Oh, le bruit que ça fait. Ça peut m'attaquer? Je pense pas, hein. Je peux l'assommer avec une pierre? Bon, vous voyez, là, on a récupéré quand même beaucoup de lapins. Ça aussi, à mon époque. J'aime bien dire ça, genre, à mon époque, il y a 15 ans. Quand on jouait en intrus avant, on pouvait pas lancer des pierres sur les lapins. C'est pour ça qu'on avait des collets. Mais les collets, c'est extrêmement chiant à mettre, parce qu'il faut des boyaux ou de la corde. Je crois que c'est des boyaux. Et il faut du bois de récupération. Donc ça veut dire qu'il faut casser une boîte, des trucs comme ça. Très très chiant. Et du coup, c'est pas illimité, parce que les bois de récupération, faut que ça soit créé par les humains, hein. C'est pas du bois qui tombe de l'arbre. Tiens, on peut aller là. Oh, il y a un chemin là. What? C'est quoi ce chemin?
Attendez. Est-ce qu'on a chaud? C'est quoi ce chemin? J'ai jamais vu ce chemin. Si? Non? Une grotte. Peut-être un ours, faire gaffe. Ok. Il n'y a pas d'ossement, donc je pense pas que ce soit un ours. Non mais je connais pas cet endroit. Peut-être jamais fait gaffe, hein. Peut-être. Enfin bref. Et avant c'était que les collets pour les lapins. Ou alors fusil, revolver et hache. Arc. Ouais non, je connaissais pas cet endroit. Première fois que je vois. Je pense pas qu'on puisse aller plus loin. Non, on peut pas, il y a un mur invisible. Intéressant. Et du coup, bah voilà, les lapins, c'était galère. C'était pas vraiment quelque chose que vous faisiez rapidement, quoi. Pour récupérer des lapins. Des fois, vous pouviez, genre, attirer des loups et les faire bouffer les lapins, mais après, il faut faire peur aux loups, en fait. Donc, c'est un problème. Mais maintenant, avec le lancer de pierre... Honnêtement, c'est nettement plus simple en fait de survivre. Surtout que là, on a pas mal de lapins. Ça veut dire qu'on a boyaux, ça veut dire qu'on a des cordes, de la ficelle. Ça veut aussi dire qu'on peut mieux manger, on peut faire de la viande. Ça veut aussi dire qu'on peut crafter nos vêtements. On commence à être fatigué. Je voudrais bien fouiller plus haut, mais bon, là, on est allé là-bas, du coup. On va revenir. Je voudrais bien récupérer le deuxième lapin. Merde, non! Combien de fois je l'ai fait, ça? Non. Ah, là, faut remonter. Faut aller lentement pour faire ça, pour... récupérer les baies qui sont au bord comme ça, faut aller très lentement. Escalader, vous voyez? Collecter. Voilà. Donc ouais, c'est vrai que maintenant c'est beaucoup plus simple en fait. Et c'est pour ça que quand je dis que je voudrais faire des ellipses, en fait c'est parce que je savais que, bon, en théorie, les lapins, on les trouve assez tôt, quoi. Et je voudrais bien me faire tout l'équipement en lapin. Jesus, it's cold. Avec tous les boyaux qu'on a, on va avoir des cordes. Non, de la ficelle, pardon. Du coup, ça veut dire que... vu qu'on a fait des hameçons... Ça veut dire que on va pouvoir accommoder aussi. C'est bien, hein? Très bien. Allez, on rentre. On rentre et on va faire à manger. Ça va peut-être être la fin de notre épisode. Ouais, ouais, là, il y a une belle tempête. Là. Très bien. C'est pour me baisser un peu le poids aussi.
se concentrer. Go. Yes. Nickel de chez nickel. Vous vous rappelez, on a récupéré du carburant, du fuel. Là. Je me demande si on devrait pas l'utiliser pour faire une torche à 100% au lieu d'avoir des restes de torches en fait. Voilà. Ah oui, il y a aussi une chose. On a sommeil, mais ça va. Si jamais vous avez des allumettes en bois et des allumettes. Prendre ça là. En carton. Pas utiliser les trucs, c'est rare. En carton, déposez vos allumettes en bois. En théorie, le jeu, enfin avant en tout cas, maintenant peut-être que ça a changé, mais le jeu va toujours utiliser les allumettes en bois en premier. Ça, c'est un problème, ça. Alors que pourtant, c'est pour une torche, c'est la même chose. Donc faites attention à ça. Pour une torche, peu importe, hein, les allumettes c'est les mêmes. Pour la torche, c'est les mêmes. Ok, très bien. J'ai honnêtement envie de mettre du charbon. Parce que le charbon est lourd, c'est pas vraiment la chose qu'on va transporter sur nous. Le charbon, c'est combien? Bon. 0,30 l'un. Et là, c'est 0,50. Ouais, non, ça c'est du pareil au même, j'ai envie de dire. Charbon, après, c'est bien pour la chaleur, en fait. Ah, j'en sais rien. Pourquoi ça me met toujours sur la torche pour le combustible? C'est bizarre, ça aussi. Ça a dû changer. Enfin, bref. Ça, on va faire toutes les viandes. Il y a un truc qui est bizarre avec le combustible. Faut aller doucement hein, pour éviter de faire des conneries. Hein. Faut vraiment faire attention. Parce que là... J'aime pas ce menu. Je fais comme ça, ça va plus vite. Ok, très bien. On a encore ça. On a de l'eau. Est-ce qu'il y a un truc qui va cuire très vite? 10 minutes, 3 minutes. On a le temps. Ah, le son, ils l'ont changé aussi. Hein. Pas le même. Et ce qui est bien aussi de faire plein de lapins comme ça, c'est que ça augmente notre carcasse, là, notre dépeçage, je sais pas quoi. Là. Ça on garde. Ça c'est prêt, prêt dans 7 minutes, prêt dans 8. J'aime pas faire cuire dans les faitous. Les viandes, la plupart du temps j'enlève le faitout en fait. Plus facile, comme ça je pose tout par terre et je mets sur la cuisinière directement. C'est un peu plus pratique.
ça, ça. Et moisi. Ouais, parce que ça 50% quoi, ça va. Ça donne pas envie de le manger en fait. Je sais pas, on va peut-être poser tout ça par dehors. J'ai plus de viande là. Pas, celui moisi, on va peut-être le mettre de côté en fait. Manger que les trucs qui sont de bonne qualité. Ouais, genre celui-là, ouais, on touche pas. Là, c'est bon. Ouais. Alors, je sais pas si c'est, il est moisi parce que il est à 50, presque en dessous des 50%. Et du coup, le nom change. Je sais que le nom change comme ça. Mais en fait, il est resté moisi. Donc, est-ce que c'est parce qu'il était moisi avant et maintenant il reste moisi? Je sais pas ça. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas. Un truc qu'on peut faire, c'est de l'eau. Ça s'est jamais perdu, de l'eau. Après, dans 5 minutes, on a encore 4 heures de feu. On utilise beaucoup le couteau, mais comme ça on va plus vite. Là, je vois. On va pouvoir manger plein de viande, c'est cool. Ah merde. Je sais pas si la, on mange d'abord la viande ou d'abord les conserves. Je crois que les viandes, si on les laisse à l'extérieur comme ça, elles vont se détériorer beaucoup plus lentement que les conserves en elles-mêmes. Donc je crois qu'on va d'abord passer sur les conserves. Fondu dans une... Quoi? Dans une heure? Oui, une heure. J'ai cru que c'était une minute, pardon. Très bien, ce que je voudrais faire c'est ça. On va encore booster un peu notre cuisine à faire ça, c'est bien. Ah oui, on peut faire ça aussi. Préparer les barbes de Jupiter, ça pourra nous aider si on est infecté. Que du 30 minutes. Ah mince. C'est pas grave. On peut faire 30 minutes en fait. J'ai le 2 heures, ok. En fait, on est bon. Maintenant, on fait 110 calories au lieu de 100 pour les tisanes, donc ça c'est cool. Nickel. Potable, potable. Eau non potable. Il faudrait que tout soit au même. Est-ce qu'on va faire maintenant? Je crois que de toute façon on va arrêter notre épisode ici.
encore 1h50. On va tout cuire. Je sais pas si faire cuire des conserves, ça augmente la cuisine. Ça, je sais pas du tout, par contre. Ce serait une bonne question, ça. Ok, très bien. Putain, je vois rien du tout. Deux de chaque. Et on brûle les livres. Mauvaise époque, ça. Alors, est-ce qu'on a encore des choses préparées ou pas? Non. D'accord, ça marche. Est-ce qu'on peut préparer des choses? Non. Ok, ça marche. Qu'est-ce qu'on fait? On mange, on dort et ce sera la fin de notre épisode. Il est un peu court cet épisode, j'avoue. Mais honnêtement, si on repart à l'aventure, bah du coup, ça va nous prendre un moment. Donc je crois que... Je crois que ça va être plus embêtant qu'autre chose. Surtout que... Ah non, non, on va faire mettre fin à notre aventure. Comme j'ai dit, c'est entre 45 minutes et 1 heure. Je vais pas faire plus qu'après, il faut que je rush. En fait, j'aime bien faire des épisodes bien précis. Concis et précis pour The Long Dark. Donc après, il faudra rusher si je commence à être trop long. Ou alors, faut que je coupe en plein milieu. Je suis pas trop fan de ça. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est cuire les aliments. Et du coup, on verra si ça augmente ou pas notre... notre cuisine. Moi je dis non, hein, je pense pas. 12 minutes. C'est 600, 300, ça. Ah, avec ça, ça suffit. 9 minutes. On va prendre quelques torches supplémentaires. Ouh, elle est belle celle-là. Très bien. Alors, brûler. Ok, ça c'est bon. Ah si, ça marche. Et dans 3 minutes. Si, si, ça donne de niveau. Cool, cool. Ok. Bah, honnêtement, je savais pas. Donc là, c'est 450 et l'autre, c'est 300. Faudrait bah tiens, on mangera ça en plus. Ouais, ça donne. Alors, bouille dans 35 minutes et on a encore 58 minutes de feu. Donc, très bon. On peut laisser ça là. Si j'enlève, ça fait quoi? 46 minutes. Ok, c'est nickel. On va aller dormir. Je vais juste reprendre de l'eau. Voilà.
On a pas mal de choses hein, de réserve déjà. Alors le prochain épisode, on verra si je le fais genre normalement ou où on se balade et tout ça. Ou alors. Je ferai un morceau farm. Et je fais une petite ellipse. Peut-être. Peut-être. Parce que je voudrais bien en fait avancer dans le craft d'équipement. Ouais, on en a 1000, ça va. Ouais, je voudrais vraiment avancer dans le craft d'équipement. On verra la prochaine fois. À la prochaine, ciao ciao, portez-vous bien.